Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Oscar pour une nouvelle vidéo et on est sur la semaine où le raid vient de sortir. Donc bien évidemment on va faire tout sauf ça parce qu'on n'est pas 6, lol. Mais par contre, on a cette mission là qui vient d'être arrivée, qui vient d'arriver en même temps. Trouvez ce qui siphonne la puissance de l'exoscience de Bray. Sachant qu'on a également ça là qui est une quête qui est voilà, en rapport avec la crypte de la pierre qui est le nouveau raid. C'est quoi de 6 joueurs? What the fuck les amis? On a une quête pour le raid, mais on s'en fout. Nous, on va faire celle-là, tout trouver ce qui siphonne la puissance des chances de vrai. Les gardiens qui ont pris d'assaut la crypte de la pierre ont par erreur réactivé des sources d'alimentation en sommeil sur Europe. Varix a détecté une telle source dans l'exoscience de Bray. C'est marrant parce que du coup, ils arrivent à intégrer les gens qui vont foncer sur le raid day one et activer des trucs bizarres. Donc on va le faire. C'est parti. Alors le problème, c'est que c'est une quête avec 1230 de puissance. Et on va bien s'amuser. Croyez-moi qu'on va bien s'amuser. Je suis à ça de changer un petit peu parce que j'avais utilisé un petit peu de dualité, le fusil à pompe légendaire parce que enfin légendaire exotique parce que bah j'avais envie quoi. Il faut que je teste un peu. Je l'ai eu quand même et je l'ai utilisé 2 secondes avant de me rendre compte que j'avais pas de puissance nécessaire. Et en plus il faut que je fasse tout ça voilà. Non, il faut que j'exécute des gardiens, c'est marrant ça. Marrant. Hein. Bref. Je pourrais utiliser trop long à expliquer, mais le problème c'est que je baisse encore en puissance si j'utilise. Parce qu'il est 1203 contre 1211 et que du coup je vais enlever celui-là et que je vais enlever celui-là. Du coup là je passe à combien à peu près là? Imaginons que je prends le plus haut, c'est 1208. 1208, le deuxième. Et je le prends. Ah, on passe à 14. 1208 contre 1203, il n'y a pas moyen d'aller un peu plus loin, non, ok, bon. Bon, écoutez, de toute façon, c'est la meilleure chance que je vais avoir, de toute façon, on changera au cas où si vraiment c'est trop chaud, mais normalement, vu qu'il n'y a pas de gros boss, enfin j'espère, ils nous ont pas dit éliminer telle personne, grand général de l'armée, ah putain, encore Discord, hein. Oh c'est horrible, hein. Oh j'aurais pas le temps. Alors, tac, 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 ok. Très bien, alors maintenant, est-ce que je pourrais me passer en mode ne pas déranger pour que plus personne me parle? Jamais. Plus personne ne me parle, plus jamais, voilà. Hop, ça c'est fait. Ok, donc, à l'attaque. Allez, donc, repartons à Cadeau Camus. Alors c'est intéressant parce que du coup j'ai une mini cinématique un peu bizarre, je sais pas si c'est une cinématique que... En fait, elle m'a pris un peu par surprise parce que genre, je venais de terminer ma chasse de l'Empire, où je défonçais encore une fois la guerrière, donc ça fait 3 fois déjà, parce que j'en avais déjà fait une avant. J'ai eu cette cinématique là en allant voir, en allant voir, en terminant cette mission. Et après j'ai vu qu'il y avait une quête qui était apparue sur, du côté de Elisabeth, l'exo inconnu. Du coup elle est connue mais derrière du coup on avait ça alors que justement avant de faire la chasse je l'avais pas du tout j'avais regardé justement s'il y avait des quêtes à donner de la part de l'exo inconnu parce que bah j'avais putain ça qu'il y a des gens ici parce que j'avais terminé toutes les quêtes pour les améliorations de la stase que je vais vous montrer d'ailleurs, dès qu'on aura commencé ça. Je vais... Ok, je me suis fait repérer, mais tout va bien. De toute façon, personne ne fait jamais rien. Bonjour, bonjour. Il faut que je commence cette mission. Bon, au revoir. Donc, en gros, ce que j'ai, c'est ça. Un emplacement de fragments. Voilà, mettez pause si vous voulez. Ça et ça. Du coup, j'ai plus de résistance et plus de force, quoi. En gros, c'est ça. À la guerre, vous devez combattre les éléments autant que les ennemis. Même vous, qui êtes débarrassé des contraintes de la chair... ne pouvait supporter trop longtemps les hivers rigoureux d'Europe. N'oubliez pas que bien que l'environnement soit virtuel, les dégâts sont eux bel et bien réels. D'accord. Bah bonjour. Du coup je suppose que va falloir avancer et... En ce cas je vais prendre des dégâts du coup c'est ça. Ah oui. En effet. Ok donc je survie à tomber dessus. Ok. Hop là, fou. On se réchauffe, on se met sur le feu et on se glace. Let's go. Alors attendez, donc c'est là le prochain. Allez, c'est parti.
C'est là que le bunny hop va m'être très utile. Alors je vais peut-être pas en faire là maintenant. Là oui, il commence à me dire de faire des trucs de plateforme là, let's go. Lol, j'ai comme si j'avais besoin de cette plateforme là. Non mais on est où là? 6 6 fois. Alors, j'aurais préféré avoir des couvertures. Surtout quand j'ai pas la puissance nécessaire, mais bon. Hop. Ouais, le fusil trop long à expliquer, c'est vraiment un bonheur. Hein. Je compte pas le nombre de temps que j'ai passé avec lui. Putain, ça n'est pas si longtemps que ça. Hein. En fait, comme j'ai utilisé trop de temps avec le fusil trop long à expliquer, bah maintenant j'ai des problèmes. Parce que. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau rembouinage, ok. Ouais, ta gueule. En fait, faudrait peut-être que je commence à foncer. Il n'y a pas des. Il y a des où? Je suis censé avancer, on est d'accord, mais. Attendez, mais. Au secours! Je suis censé aller quelque part, non, on est d'accord. Il n'y a pas de. Attendez, mais je vais peut-être mourir là. Non, attendez, c'est là-bas, ok. Ok. En fait, non, il faut que je continue en fait. Oh, secours! Bonjour, bonjour monsieur. Ah, je commence à perdre de la vie. Oh, bon, ça va. C'est pas du genre ça me one shot. Ça, c'est cool. Ok. Alors, c'est où là? C'est là? Ok. Il a simulé un froid, mais je le déteste, sans déconner. Tu pètes les couilles, monsieur Bray. J'espère qu'il y a des checkpoints. Je suppose que ce sont des checkpoints. Putain, mais j'espère que c'est pas du getting over it, parce que sinon, je vais pas vous le cacher que je préférais crever à un moment. Ok, alors merci d'en foutre un là. Ah, instant. Ah mais du coup il est obligé d'avancer parce que il a plus de tête. Ok. 3, 2, 1. Okay. Il y en a un autre qui vient d'arriver comme ça, il s'est dit allez. Je vais me montrer maintenant, tiens. Pour aucune raison. Ah ils sont beaucoup! Allez au revoir. Vous êtes désormais glacé. Tiens. Ok. Non mais vous êtes combien? Ok. Donc là le truc c'est que... Il n'y a pas de foie là. Ok il est là. Ok très bien. Je knocker hein, des ennemis vraiment. On knocker. Alors du coup il faut aller où là? Il faut descendre ou il faut monter? Parce que bon, là il y a une plateforme pour descendre. Bah, let's go. Il y a deux plateformes pour descendre. Ah! Et bah, je suppose qu'il faut. Ouais, bon, on va suivre la ligne droite quoi. Allez, hein. Ah, en effet, il faut tomber. Ouais, je passe en vrai. Pff. Quelque chose me dit que je vais en avoir besoin de ça. Oh. Mon dieu. S'il vous plaît. Ils m'ont pas vu, je crois, derrière. Salut. Ça va, les gars? Attendez, mais elle est où? Au secours! Au secours, je meurs! Attendez, mais... Ah non, j'avais eu un peu peur là sur celle-là. Est-ce que je peux voir des ennemis? Non, pas vraiment. Bon. Ok. Donc, je peux aller à gauche ou à droite. Maintenant, je suis gaucher, donc on va partir à gauche. Clovis Bray n'est pas raciste d'aller gaucher, de toute façon. Je suis sûr que lui qui aime bien la compétition. Ok, bon, bah au moins on est là, quoi. On est arrivé à bon port. Je sais pas si ça s'appelle vraiment bon port, mais... Alors du coup, on est d'accord que, bon, je peux techniquement me barrer d'ici, mais...
Est-ce que j'ai vraiment avoir envie, c'est ça la question. En fait, c'est toi qui vas me péter les couilles, c'est ça, hein, globalement. T'es chiant. Voilà, mais t'es chiant, toi. Oh, tu vas être chiant. Ouh là là. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je me mette là. Ok, on est à 3, on est à 4. Ok. Ok, il va falloir que je revienne au milieu à un moment. Vous m'emmerdez un peu, monsieur. Putain, mais il me fait mal avec en tapant ici, quoi. La 6. Ok. Yeah. Déjà ? Ok. Donc, on va un peu recharger un peu vite fait. Putain, mais... Je manque de crever avec leur connerie. Ok. Alors mes meilleurs amis. Ok, 8. Ok. Et on repart. Ok, je vois où est-ce qu'ils veulent en venir. Sauf que ça va être très très long. Bon, quoi que vous me direz, on est déjà un tiers. Moi, monsieur. Allez, encore un, s'il te plaît. Il m'a one shot, ok. Il y a un moment où il m'a fait du moins 10 et à un moment où il m'a fait du moins 100. Bah, allez. Bah, ok. Bon. J'ai trop grid. Mais c'est. On fait du limite test. Dites-vous qu'on fait du limite test. J'avais un peu plus de temps la dernière fois. Ok. Mais pourquoi est-ce que sa cadence de tir elle augmente? On sait pas pourquoi. Ok, je sais pas pourquoi est-ce que je fais un massage. Yeah. Yeah. Ok, on est à 4. Arrête de me faire chier. J'en supplie. Oh mon dieu. Ah, il va m'exploser à la gueule. Non, je vais pas mourir, je vais mourir. Putain, ça fait mal cette horreur. Ça fait mal cette horreur. C'est chiant. Après, en même temps, on est en dessous, hein. On est en dessous, c'est normal. Mais en fait, je pense que c'est chiant d'avoir un fusil à pompe, là, sur cette mission. On va prendre un sniper, mais... Bon, j'ai perdu un peu de temps. Ça, c'est compliqué. Putain, mais sérieux. Il lui restait 2 HP, là. Je sais pas si ça spawn périodiquement, si à un moment ça va arrêter de spawner ou. Je sais pas pourquoi. Non, je fais de la merde. Oh, mais laisse-moi tranquille. What the fuck?
Quoi? J'ai pris des dégâts là? Ok. Quoi? Excusez-moi. Ok. Ok. Allez, putain. Ah, j'ai le temps d'en mettre qu'une balle. Après, le problème, c'est que c'est pas non plus un sniper qui fait énormément de dégâts. Ça touche, ça? Je suis à l'abri de l'orage, là. Ouais. Ok. Je comprends. Je comprends le problème dans lequel, la merde dans laquelle je me suis mise. Yeah. Tu as 7? Non, je suis à 2. Ok, d'accord. Yeah. Si j'ai le temps, on a 9. Fuck. Ok. Oh non, j'ai une balle, putain. Quelle disgrâce. Ok. Ok. Oh sa mère, c'est compliqué tout ça. Oh fuck. Ok, il est reparti au milieu. Oh putain. Ok. En fait, j'ai deux barres de vie en fait. Hein, techniquement, il faut se le dire. Faut que je gère deux barres de vie en même temps. Ça va que la première. Non, mais t'es sérieux, il a reculé. Allez, s'il te plaît. Crève maintenant. Non! Oh, tu m'as bien pété les couilles, toi, dis donc. Dans les détails les plus pénibles, je n'aimais pas participer à leur jeu incessant, et c'est toujours le cas. J'espère que vous êtes rassasié. Ouais, allez, on va dire ça, ouais. On va dire ça. Oh, c'est stressant, ce connerie, dis donc. En vrai, j'avais plus de marge que ce que je voulais voir, mais le truc, c'est que le feedback visuel de Destiny, et sonore d'ailleurs également, est tellement intéressant et tellement fort que des fois, j'ai vraiment l'impression que je vais crever, quoi, vraiment. Alors que techniquement, c'est ok, ça va, tu vois, on n'est pas non plus dans la merde. Mais voilà, une fois que j'arrête de limite test et que je me concentre un peu, ça marche mieux quand même. What the fuck? Si ça, c'est pas un mec qui a fait le raid, ça. Il avait déjà une... ouais, son... Ces gants étaient déjà des gants exotiques de ce que j'avais vu. Non, c'est pas par là qu'on rentre. Bon, bah écoute, il a fait que le raid. Mais... peut aider, non? Ouais, ok. Des protocoles d'entraînement exo. Il semblerait que nous ayons eu raison de mener une petite enquête. Agissez comme on vous semble, m'étonner la distance de la maison du salut. Nous ne devons leur donner aucune occasion de se révéler. Ok. Très bien.
C'est tout ce qu'on a à faire là, vite fait. Ah, on a ça. D'accord. C'est exploration d'Europe 2. Dans la app. Parce que là, on a de protection, ça sera certainement là. Terminer un défi exo. Bah, ça doit être, ça a l'air d'être ça, hein, en gros. Hein. Ça a l'air d'être ce que je viens de voir. Et il faudrait que je reparte quelque part. Voyez plus loin non. Que les terres des eaux. Simulation survie. Survie au climat rigoureux en attaquant les... Ok, d'accord. Très bien. Et ça, c'est une exquad de 1 à 3 joueurs. Il n'y a pas de matchmaking. Ok. Et donc, ça a l'air d'être le défi exo, en gros, globalement. Ok. Bah, très bien. Très bien, très bien, très bien. Toi, t'as rien à dire, toi? Ok, très bien. Bon, bah, c'est une vidéo assez courte, donc on va essayer de faire autre chose. Hein. Si... Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Alors, donc... Éclaircissant les rues en terminant des événements publics et des patrouilles dans la zone éclipsée actuelle. Les combattants puissants des événements publics et piques permettent de progresser plus vite. Ok. On peut faire ça. Ou alors on peut on va faire une chasse de l'Empire. On peut refaire le technocrate. Je vais vous montrer comment je speedrun le technocrate. Normalement, ça devrait pas prendre énormément de temps. Quoi ? Attendez, quoi ? Ruine du crépuscule. Zone éclipsée. Ça rappelle du crash de la station orbitale par les gardiens. La maison du salut cherche à sécuriser la zone grâce aux ténèbres. Oh, ce que je sais. Intéressant. On pourra aller voir aussi ça. On pourra aller voir ça. En vrai, j'ai plusieurs choses à faire. J'ai plusieurs angles d'attaque. Bon, on n'est pas non plus sur un nouveau contenu, mais voilà. On va pouvoir, on va one-shot le technocrate. Lui est marrant, le technocrate. Il est marrant. Alors, terminer des patrouilles, quoi? Non, pas terminer des patrouilles. Ah bah si. Bah si. Bon bah ok. Bah terminons des patrouilles là-bas. À l'attaque. Ouais, donc c'est donc, oui, ce que j'avais vu, oui, il y a 18h, on a eu les premiers raids qui ont été lancés, en tout cas en France, de ce que j'avais vu. J'ai pas regardé le raid. Déjà un, parce qu'il y a 1% de chance que je le fasse, donc je vais pas me faire spoiler. Et ensuite, parce que bah j'avais autre chose à faire. Mais c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai vu. Alors, ok. Donc ils sont combien? Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Ok, lui il a l'air plus proche. Salut toi. À l'attaque. Nous sommes peut-être des pilleurs. Inspire. Mais les élixirs donnent une nouvelle vie à ces objets. Dans quoi? On est peut-être, hein, mais on est mieux. On a compris que t'étais un ancien méchant, enculé. Il y a beaucoup de gens qui on a l'impression qu'ils vont nous trahir quand même dans Destiny 2. Hein. Entre lui et l'araignée, le corbeau, c'est beaucoup de gens quand même. Un cellule de supraconducteur. Dire un item de LOL. Qui donne de la vision. What the fuck. La rafale de 2 balles qui one shot. Oh regardez. Paf. Merde. Le gardien l'a eu avant WAM. Bon. Non, ils ont pas dit tuer des ennemis dans la zone hein, d'ailleurs. Vex. Ouais c'est ça. Je pourrais aller là-bas, mais on flemme un peu. Je sais pas du coup s'il y a pas ouais, un truc qu'on pourrait aller voir à la fin de la mission contre le technocrate. On va le speedrun assez rapidement de toute façon. C'est juste buter des ennemis là pour l'instant. Fuck. Alors, il y a des gens là? Non. Il doit y en avoir là. Non. Très bien. Au milieu alors. Il y a des gens là, mais je crois qu'ils sont en train de se faire boulos. Non. What the fuck. Ok. Bon bah écoutez, il les a butés, mais bon j'ai l'argent quand même, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Allez, venez. Elle se barre. J'ai dit venez, elle se barre. Allez, venez. Allez. Nya. Putain, j'oublie à chaque fois que cette portée est vraiment dégueulasse. Et toi. Mode de veto d'amélioration. Ok.
intéressant. Alors, il y en a d'autres. Bon, il y en a d'autres, une flemme. Je reviens vous chercher deux secondes. Il faut que je reprenne une patrouille qui dit qu'il faut que je bute des gens. Mais formulé différemment. Bah tiens, on peut reprendre la même. Bah let's go. Il dit pas que c'est littéralement la même. Non. Enfin, c'est exactement ce qu'on... la même chose qu'on va faire, mais c'est dit différemment, quoi. D'accord, enculé. Il va nous parler mieux l'autre. Hein. Il est censé avoir 4 bras, il en a 2 de moins. Je le fonce dessus, j'en ai rien à foutre. C'est pas un boss, je sais que ça fait pas mal ça. Est-ce qu'on pourrait pas tenter un... Yeah, c'était pas ouf, c'était pas ouf. Wouhou. Ah là 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 là. Ces patrouilles. Hein. Bon, en vrai, normalement, les patrouilles, elles sont différentes. Mais je sais pas, sur Europe, ils se sont dit, allez, c'est parti. On va faire un truc genre pourcentage de combattants éliminés. Il faut que tu tues des trucs. Objet récupéré. En fait, il faut que tu tues des trucs. Hop. Et c'est tout, globalement. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Je crois qu'il n'y a pas des trucs différents. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que aussi, d'ailleurs, ce qui est également incroyable, c'est le fait que... Depuis que j'ai eu la stase, je l'ai pas enlevé. En même temps, c'est un truc intéressant quand même. Faut pas se le cacher. Il faut pas se le cacher dans la vie, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est que c'est probablement le pouvoir le plus stylé de Destiny 2. Et que d'après une théorie que j'avais vue sur YouTube, le prochain pouvoir pourrait être un pouvoir des ténèbres de poison. Et le poison, c'est Stylax quand même. Il y a des trucs ici ou pas? Ah bah oui. Let's go. En même temps, il y a un événement public dont je vois absolument R. Les Vex remettent le couvert. Ils cherchent sans doute à convertir Europe en monde machine. Ok. Nous devons les arrêter. Ah, les Vex. Extrêmement stylé. Hein. Je pense que je me rappellerai toujours de la première fois que j'ai vu les Vex. Il faut que je fasse un petit peu de lore aussi, vous savez. Parce que quand même, ces vidéos vont durer longtemps, donc autant avoir des trucs à dire. La première fois que j'ai vu les Vex, bah, c'était une mission sur Destiny 1, bien sûr. Encore. Qui était consacrée à ça. Hein. C'est-à-dire que, vraiment, à la fin, ils avaient vraiment tout mis en place. Je crois même qu'il y avait genre un build-up un petit peu au niveau du level design qui avait été créé, en mode, voilà, on tease un petit peu ça. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Révélation. Une attaque des Vex. Et en plus, c'est incroyable parce qu'en plus, t'as une... Vas-y, nique ta race. Et c'était un level design... Putain, vachement intéressant parce que... localiser fermé la déchirure. Ok, sur la crête de Cadmus. Je me souviens jamais de ce que c'est. Alors... ah oui, c'est ça. Ok, d'accord, ok. Ouais, bon, ok, c'est-à-dire qu'on va devoir buter le gros mec déchu, quoi. La grosse boule. Est-ce que je voulais dire oui? Ouais, le level design était intéressant parce que ça nous mettait dans une position où vraiment on était en... En fait, on était littéralement dans un mode zombie de Black Ops, en fait. Sauf qu'au lieu d'avoir des zombies qui nous foncent dessus, c'est des Vex. Et sachant que c'est la première fois que tu vois les Vex, il y a tout ce problème, enfin, tout ce problème, tout ce cheminement intellectuel de penser que tu n'as pas... Que tu n'as pas fait justement lorsque t'as fait le Vex. Ok, d'accord. Nique ta race. Chaque fois je vois ça et je me dis, attendez, peut-être que. Eh ben en fait, non. J'ai loupé un coffre, j'en ai rien à foutre. Bah, c'est-à-dire que, sachant que. C'est, par exemple, vous arrivez dans un jeu de Destiny 2, les deux seules autres factions que vous avez vues, c'est les déchus et la ruche. Les deux. Ça peut paraître un peu insignifiant, hein, mais les deux factions, pour les buter efficacement et pour faire des frags de précision, il faut tirer dans la tête. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous voyez les Vex la première fois? Vous vous dites, c'est des robots, ils ont un gros truc voilà, rouge sur la tête, je leur tire dans la tête. Et ce qui se passe, c'est ce qui se passe à chaque fois depuis que les Vex ont été créés. Quand tu leur tires dans la tête, ah, ils perdent leur tête. Et tu fais comment maintenant, petit bâtard? Et ça, d'ailleurs, en plus, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas les dégâts de précision. Regardez-moi ce noscap. Ces coffres sont vraiment bizarres. Mais bref.
On dirait des coffres comment on appelle ça? Du pass saisonnier, mais il y a genre 4 ou 3 ou 4 saisons. Où c'était le chrome vex ascendant, un truc comme ça. Le matériau. Alors ça, non, je vais les buter. Il est où le deuxième? Il s'est barré, d'accord. Bon bah ok. Hop. Cette déchirure. Praxis l'a construite lui-même. Ah oui, mais on voit rien du coup. Du coup, on voit rien. Ah, la météo. Ça fait de la lumière, j'espère. C'est pas de lumière. Bon. Alors. Ok, il faut que je les bute, quoi, en gros. C'est marrant parce que ça commence à droite. C'est la première fois que ça commence à droite. Parce que je crois que je l'ai fait plusieurs fois, le technocrate. Oh, ça va être la troisième fois, c'est ça. En fait, j'ai fait. Faut se dire qu'il y a qu'un seul, une seule chasse de l'Empire que j'ai pas fait trois, enfin que je vais pas faire trois fois. C'est celle que j'ai fait après avoir la quête de faire toutes les chasses de l'Empire. Et du coup, j'ai pas besoin de la refaire celle-là. Mais le reste, putain, il en reste encore. C'est assez long. Sur le moment. Mais en vrai, je sais pas. Il y a certaines missions, ça me pose pas de problème de vraiment les refaire 1000 fois. Alors qu'il y en a certaines où je suis déjà lassé à la première. Alors que bon, pour lasser quelqu'un comme moi, il faut y aller quand même. Hop. Généralement, à partir du moment où tu dépasses les 600 heures de jeu sur Warframe, tu sais que t'es le genre de mec qui a aucun problème à grinder les trucs. Tant qu'il les aime, quoi. Après, normalement, je pense que je suis pas si différent de beaucoup de gens. Hein. Bon, si j'aime bien des trucs, je peux le faire pendant 1000 ans. Oui, bah bravo, ça. Bien, ouais. Shrek 2 HD 2004 DV RIP. D'accord. Très bien, mon ami. Écoutez, des fois, il y a des gens, ils aiment bien Shrek. Écoutez. Mais le problème, c'est pas qu'ils aiment bien Shrek, c'est qu'ils aiment trop Shrek. C'est. Bon, bah. Écoutez, c'est une passion comme une autre, hein. Hop. Tac. Après, c'est un peu edgy, t'as vu Shrek. D'ailleurs, je suis repassé, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai. Si vous l'avez remarqué, mais je suis repassé sur la. Sur l'aspect de base de trop long à expliquer. Parce que je me suis dit, tiens, faire un petit moment. Puis en fait, je me suis rendu compte que le viseur changeait de couleur selon l'aspect. Et qu'il était bleu. Le bleu devenait. Enfin, le orange devenait bleu. C'était en orange. Ouais, on va dire orange, quoi. Faut que je détruise ça. Et ensuite, le. Ah oui, c'est le big bad boy. Where is he? Ah non, c'est après. Ok, c'est après. Je pensais que c'était à ce moment-là et qu'en fait, on. Ils foncent sur les gens. J'ai pas vu qu'il y a. What the fuck? Non mais ils vont arriver, voilà. Parfait. Ils arrivent. Welcome to the party, comme le dirait. Pop Smoke et RIP d'ailleurs. By the way. Putain d'artiste d'ailleurs. On n'en parle pas assez, mais. On n'en parle plus assez. Allez hop. C'est vraiment dommage, putain, mais c'est vrai que je repense, mais c'est quand même incroyable. Le rap américain, ils sont tellement nombreux, ils sont tellement bons, mais le problème, c'est qu'ils crèvent tous. Pourquoi ils crèvent tous? Quand même dommage. Vraiment, imaginez le paysage rapologique des États-Unis. Déjà qu'il est incroyable maintenant. Si, en plus, là... Ils avaient conservé ne serait-ce que du tiers de tous les artistes qui étaient morts. En plus, c'est même pas genre. Hein, c'est même pas genre des morts en mode tous de la même raison où tu peux te dire bon bah voilà les gars, s'il vous plaît, faites attention quoi. Faites attention à ça particulièrement. Pop Smoke, il est mort à cause d'un gang parce que il a affiché dans ses albums qu'il faisait partie d'un gang rival. Ah bah salut ça. Oh là là, allez, vas-y, TP-moi vite là, on s'emmerde. Hop, donc il y avait ça pour Pop Smoke. Mac Miller, c'était une overdose de là.
de Lynn. Je crois, je suis pas sûr. En tout cas, une overdose de drogue, ça c'est sûr. Et après, bon, le reste des gens du style Nipsey Hussle, je crois. Tout ça, j'ai moins d'informations. XXX Tentation, il s'est fait tirer dessus, mais même pas pour un gang, je crois. C'est juste, les gens se sont dit, tiens, si je le butais quand même. Ça fait énormément de gens. Ça signifie déjà d'avoir 3 mecs qui sont morts en l'espace de 2 ans, sachant qu'il y a Lil Peep aussi qui est mort aussi d'overdose. Eh bah, dis donc. Ah oui, il y a Juice WRLD aussi. Putain, mais c'est incroyable, mais merde, ils sont combien? Oh là là. Bref, on va changer de sujet. Parce que bon, la mort, c'est pas Jojo quand même. Pour se dire que maintenant, ouais, on le détruit vachement plus facilement. Après, on n'est pas tout seul. Mais quand même. Hop. Il n'y a pas un autre... Non, il faut que j'analyse. Ah, c'est eux qui me tirent dessus. Mais putain, mais je sais même plus où je suis. Je crois que j'étais là. Ah. Ah, maintenant, il faut que je... S'il vous plaît, pas le rift. Alors, rift. Let's go. Let's fucking go. Let's fucking go. Je voulais pas faire le rift. C'était bien la seule chose que j'avais pas envie de faire. Le rift, j'ai rien contre ça. Mais c'est juste que c'est long en fait. C'est très très long. Après le rift, je crois que c'est le cas. Je sais plus. Bref, vous savez, c'est un vaisseau de l'Ixni allié qui essaie de décoller, mais il n'arrive pas. Il faut qu'on nique les ennemis. Hop. Alors, je te déboîte la tête. Voilà, bref. Ah oui, merde. Alors, j'allais dire oui, machin, mais... c'est où ? Faut que j'appuie sur quelque part. Je crois que j'appuie quelque part avant. Attendez. Faut que j'appuie quelque part. Oui, je suis pas censé. Mais il est censé y avoir un truc qui apparaît. Hein. Normalement, si vous avez bien vu mes vidéos de Let's Play, vous savez qu'il est censé avoir un truc. Y a pas un truc que j'ai oublié là. Un fanion. Genre là, un truc comme ça. Non. Oui, c'est là. Putain, il est loin, sa mère. Allez. Ah, il est là. Le fanion. J'espère que c'est comme ça que ça s'appelle. Oh. On va boire un peu d'eau. Alors. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on va partir. Tigris a connu Praxis en prison, n'est-ce pas ? Ah oui, merde, c'est vrai qu'il va redire ça. Alors j'ai un peu la flemme de tous les taper, je vais pas vous le cacher. C'est pas vraiment le truc que j'ai envie de faire. Maintenant j'ai la flemme, j'avais dit en speedrun, c'est le moment. La question c'est, est-ce que je suis obligé de le tuer? Et pour les gens qui ne savent pas exactement de qui je parle, parce qu'ils ne se rappellent plus, je parle de cette horreur là. Salut mon ami, est-ce que tu pourrais m'aider à aller plus vite? Non. Putain, mais ils sont beaucoup là, disons. Oh là là là. Ah oui, en effet. C'est ce genre de porte. Allez, maintenant il reste plus que toi. Quoi? 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 Comment ça? Ah mais du coup je crois qu'on est au mauvais endroit et du coup on voit le spawn arriver. Mais c'est bizarre que d'ailleurs il y ait autant de spawns comme ça parce que il y a des zones exprès normalement non dans le level design pour que les déchus arrivent et qu'on n'ait pas l'impression qu'ils se TP de nulle part. Mais là en fait j'ai l'impression que sur cette extension ils s'en foutent un peu. Ils les font apparaître en plein milieu de nulle part. En mode pfiou, téléportation. Après ça va parce que l'univers Destiny 2 on sent. Ah ok, d'accord, donc du coup, écoutez, on va arrêter.
j'ai l'impression qu'il faut que je le batte lui donc. Salut, ça va mon bro? Oui. Je pensais pas que je te détruirais aussi facilement. Attendez messieurs dames, mais est-ce que la porte s'ouvre? Non, la porte s'ouvre pas. Vraiment que j'ai vu tous. Fuck. Ta gueule, arrête de danser là, on est où là? Il me fonce dessus. Mais c'est bizarre ça. C'est le genre d'ennemi qui... Je suis pas habitué après à chaque fois quand j'arrive dans les niveaux plus élevés où les mecs ils te foncent dessus, ils te tirent dessus, puis après ils te... Et après ils te mettent une arme, enfin ils t'attaquent au corps à corps en mode c'est des IA entraînés et tout. Moi je vois des déchus qui te foncent dessus comme ça à quatre pattes, et... mais en fait ils te tapent pas du tout. Ils se mettent à côté de toi. Oh. C'est quand tu veux mec. Ok. J'ai la flemme. Ah oui c'est vrai, c'était lui. Le fameux nerd. D'ailleurs j'ai à l'heure actuelle... j'ai des... Normalement il y a pas mal d'épisodes qui sont déjà sortis de, du Let's Play des Sims, mais faut se dire que j'aimerais bien que les cadences soient l'épisode soit plus rapide, mais vous savez il faut que j'enregistre tout le reste. J'ai envie d'avoir un flux intéressant de vidéos qui soit pas interrompu, ou en tout cas peut-être interrompu mais pas non plus très longtemps quoi. De toute façon je sais que en termes de premier, je l'ai pas. Enfin, je suis pas le premier, quoi. Donc, il me reste juste à... Alors, attendez, est-ce que du coup la porte est fermée, là? Non. Bah, du coup, je me barre. Salut. Ah oui, hein. Ah, maintenant, on est comme ça, nous. On a dit speedrun, on a dit speedrun, on va faire le speedrun. Ah ouais. Bonjour. Et bah, dis donc, il y en a des gens. Allez. Exploser tous là. Alors là, je suppose que ça va pas s'ouvrir. Ça s'ouvre. J'y crois quand même pas. Ah, c'est d'accord, ok, d'accord. C'est bien ce qu'il me semblait. Allez. Ouvre-moi, sésame. Non. Non, mais bah si, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche, c'est bon, ça va. Ça fait plus... ouais. Ça fait plus ambigu, mais ça marche quand même. Le sens premier est toujours le même, mais maintenant, il y a un sens figuré bizarre. Alors. Allez, laissez-moi. Oh, j'en ai rien à foutre. Alors, par contre, je vais peut-être attendre de soigner un peu, quand même. Ah, salut, toi. Je savais pas que t'étais là. Et ya ! Elle commence à exploser partout. Voilà, maintenant, on peut y aller. Bonjour, 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 bonjour. Ah. Et ils seront tous glacés. Alors. Oh merde, il y a une porte. Alors, attendez. Est-ce que il y a un... Il faut battre les gens. Non. Let's go. Let's go. Eh bah dis donc, on va très vite, hein. On va très vite. Ah bon bah lui, bon par contre. Mais tiens. Tiens là. Tiens. Ah merde, je l'ai pas fait. Attends deux secondes, reste comme ça mon ami. Voilà. Allez, maintenant. Allez. Et c'est barré. Ah. Bonjour. Oh putain, il m'a sépou. Let's go. C'est passé. Hop là. Let's go. Alors là, je crois que par contre, il va falloir tuer les gens. Ouais, il faut que je les tue. Faut pas que j'utilise trop de ressources alors quand je vois skip les trucs, parce que là du coup j'avais pas de grenade par exemple. Ta gueule. Ta gueule. Fuck. Je sais pas pourquoi toutes les salles ont pas un... Ah. Je crois que c'est fait exprès peut-être hein, mais je trouve ça un peu bizarre que toutes les salles aient pas un truc en mode il faut que tu butes tout le monde pour pouvoir passer.
peut-être que c'est voulu par le speedrun. Allez là. Alors. Tiens. Hop, ouais. Salut les gars. Hop. Le ski. Ah lui par eux, par contre ça va être plus compliqué. Ouais. Ouh. Let's go. Alors. Let's go. Bon maintenant il faut crever plusieurs fois sur le boss. Comme ça on re-even le score. Allez là, viens là. Et tac, 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 tac. Ok, faut que je... Oh putain, y'en a un autre. Oh, j'avais oublié ça. Ah, nia. Alors maintenant, d'ailleurs, j'ai appris qu'en fait, si je veux me libérer plus rapidement de la stase, ça m'inflige des dégâts. Par contre, si je la laisse faire son truc, bah en fait, je me décongèle tout seul et je prends pas de dégâts. Ce n'est pas le cas des ennemis, je crois. Ah, salut, c'était là. Justement, je te cherchais. Voilà. On va garder le pouvoir pour la troisième phase. Voilà. Alors. Allez, 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 mêlez tes merdes. Ah, salut toi. Merci. C'est quoi ces bruits? Ok, de 1. Il y en a d'autres? Ouais. Évidemment qu'il y en a d'autres, mais je voulais savoir où ils étaient. Je sais pas si c'est des I ou L, je sais pas ce que c'est. Des drones. Excusez-moi, monsieur. Allez. Ah, il me reste 8. Est-ce que je les balance maintenant? Ouais, voilà. Ok. Non, mais ouais, quand même. 2, 3. Ok, 3. Ok, il y en a d'autres là. Ah, ça met 1000 ans, sérieux. Il en reste une? Il en reste une là-bas, je crois. Ouais. Ok. C'est bon? Non, c'est pas bon. Oh fuck. Oh, c'est bon. Il en reste une. Où est-ce qu'elle est? Alors d'abord toi tu vas me faire chier toi. Toi je le sens tu vas me faire chier. Ah non c'est bon il en reste pas une. Allez c'est parti. Alors bon c'était pas le meilleur endroit de démarrage mais... Voilà c'est fait, bien joué à tous. Bon bah voilà on a terminé ça avant les 50 minutes. Ça a mis moins de 20 minutes. Sans Filax. Sans Filax. Non. Sans Filax. Putain. Excusez-moi. Ah, fuck. Bon, on a jamais rien à faire. Je vais essayer de me mettre sur la zone très très précise. Non, je vais pas y arriver. Ça me pète les couilles. Ok, bah c'est bon. Après, on va visiter Varex. Et après, on va pouvoir aller voir un peu cette zone là-bas. À moins que vraiment il n'y a rien du tout, hein, on sait jamais. Hein. Ça se trouve, vraiment rien du tout. Tac. Ok, ok, ok. Alors. Et toi? Oh putain, le double, triple spike. En fait, je sais pas ce que je fous là. Ouf. Ça met des lourds spikes, hein, sa mère. Je sais pas pourquoi, mais...
ça fait dra 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 plusieurs fois. C'était pas très sympathique quand même pour le du jeu. Ça va, ça a l'air d'aller mieux. Allez, tac. Let's go. Let's go. Et voilà. Bon, maintenant on a fait tout ce qui est disponible et que je peux utiliser. Ok, revenez plus tard. Revenez plus tard globalement. Je sais que ça allait débloquer des trucs, mais en fait pas du tout. Bon bah voilà. On a fait toutes les chasses de l'Empire. Bon, vous, vous l'avez pas vu, mais en tout cas... Ah tiens, c'est quoi ça? Transpondeur Braytech. Ah tiens, les escouades techniques de la Maison du Salut qui cherchent de la technologie de l'âge d'or dans les zones éclipsées d'Europe. Bah let's go. Bah let's go, prenons-le. J'ai envie de dire au bout d'un moment... Alors il faut aller où? Il faut aller dans cette zone éclipsée, je suppose. C'est là, c'est une ruine de crépuscule, mais c'est pas une zone éclipsée, quoi, en gros. Je sais pas si c'est... De toute façon, on va devoir y aller un ou l'autre, hein, mais... Il est où? Qu'est-ce que vous avez foutu encore? Il est où, là? Fuck, là. Il est pas dans l'objet usage unique. Alors je suis bigleux, mais c'est... Ça m'a... Je suis jamais bigleux, donc ça devrait pas être ça. Ouais, non, c'est ça, on est d'accord, il y en a pas. Il est pas là. Bon, bah let's go. Et j'ai un truc qui n'existe pas, bah... Tranquille. Bah allons dans les zones de crépuscule de bizarre, là, allez. On va aller en premier, puis si le premier marche pas, le deuxième... De toute façon, il va falloir que je fasse cette quête au bout d'un moment. À un moment donné, il faudra que je la fasse, quoi. Donc, bon... On va commencer par les ruines du crépuscule. Les ruines du crépuscule. Elle est éclipsée. La zone a été éclipsée. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière? Parce que non, une éclipse, c'est lorsque... En plein jour, t'as... Hop, voilà. Bam. D'ailleurs, je crois que Jupiter nous fonce dessus. Hein. D'ailleurs, ça se voit pas, mais... Non, en vrai, non, ça devrait aller. Non, en fait, il me semble que la taille est ok, parce que du coup, vu que Jupiter est énorme... Ouais, vu que Jupiter est énorme, ça devrait aller. Après, je sais pas si on n'est pas également plus loin de Jupiter que genre la Lune est loin de la Terre, mais bon, c'est chiant, au secours. Après, vous savez, les gens aiment bien les jeux, surtout d'ailleurs également, et les films en général, aiment bien avoir des proportions énormes. Alors, je sais pas par où est-ce qu'on doit aller. Je sais pas si c'est par là... Parce que genre, je sais que... Alors, est-ce que c'est par là? Là, c'est le Nexus. Rien du crépuscule, ça, mais en fait, ça m'a l'air d'être là, en fait. Hein. Ça m'a l'air d'être là, parce que le Nexus, tout ça, c'est plus loin. Pourquoi ils sont 12, là? Ils sont pas censés être 12, là? Qu'est-ce que vous faites? Cassez-vous. Y'a un truc, là? Bon, bah, apparemment, y a pas l'air de... ça a pas l'air d'être activable ou activé. J'aimerais juste voir si c'est un rapport avec ce qu'il y a là-bas. Pour cet objet là bizarre là. Non, rien. Ok, parfait. Hop. Bonjour. Après, je suis plus très loin de l'XP du niveau suivant, mais j'ai un peu la flemme. Encore une fois. Moi, ça m'a l'air d'être par là, hein. Mais. Parce que là, on descend techniquement sur la map. On va vers le sud. Un peu le sud. Le sud-est, un peu, mais le sud quand même. Mais vraiment, on est sur un sud-sud-est plutôt qu'un est-sud-est. Alors. Voilà. Et là. Mais putain, mais ça me pète les couilles. Parce qu'après, lui, il va se croire trop puissant. Hop. Pas que je me gaspille trop mes munitions, vous savez, si ça se trouve à un moment on va arriver et puis il va y avoir il y a trop de trucs là. Alors trop d'ennemis au bout d'un moment parce que j'ai fait spawn 12 000 Puis d'ailleurs là pour le coup je peux m'en foutre hein, de ce qu'ils font. D'ailleurs regardez là il y avait une zone où les ennemis sont censés apparaître. Bon là ils sont déjà là donc on s'en fout mais. C'est bizarre parce que les ruines du crépuscule si on va vraiment là et que c'est vraiment ça. Y a rien là-bas. On verra, hein, mais... Y a littéralement rien, quoi.
C'est la mort du fun. Toujours dans le puits d'infinitude. Ils sont 12. Ah. Ah, j'ai pas le temps d'en tuer plus. Mais what the f... Fuck. What the fuck. Ok, d'accord, c'est juste un shader. Là. Y'a rien là, toujours. Ah. Mais putain, mais ils sont combien? C'est vrai que les harpies meurent... Les harpies. Les harpies. Les harpies meurent pas en un coup. Ça me fera toujours bizarre. Putain, mais il se fait one shot, lui. Non, c'est là, quoi. Mais y'a rien, là. Ce sont des endroits où on peut pas aller. Ah ouais, on est allé trop loin. Ruine de crépuscule. Les débris pleuvent constamment. On allait trop loin. Intéressant. Pourquoi il y a ces merdes là? Oh mais pourquoi je recharge à chaque fois? C'est d'accord que là, je peux pas aller là. Alors, je peux pas monter puis aller là. Oh, le mur invisible. Oh, la puissance du mur invisible. Allez, dans le Levex. Alors. À l'attaque. À 56 minutes. On va faire une vidéo un peu plus longue, hein, vous savez. On a des trucs à faire. Montrer des trucs, quoi. Alors, donc. What? J'ai loupé. Ouais, j'ai réussi à en avoir 3. J'ai réussi à en avoir 3. Let's go. Oh putain, c'est vrai. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une bifurcade? On cherche une bifurcade. Parce que c'est par là à peu près où on cherche à aller. Même pas. Ok. C'est par là. Ouais, par là, ok. Et bah allons-y. J'ai envie de dire. Oh. J'aime bien comment la musique du jeu se fait discrète. Alors peut-être que vous l'entendez pas énormément parce que je fais que de parler et parce que là, le son est pas extrêmement fort. Mais sachez que... Après, jamais à 2. C'est vrai que jamais à 2 contre 4. Un peu normal. S'il y avait un trou là, ça m'arrangerait, je vais le cacher. Je cherche un endroit. Ok, par là, à peu près. Mais là, il n'y a rien du tout là. D'accord. Ouais, ça m'a pas l'air d'être un endroit où il y a grand monde là. Ça m'a pas l'air d'être dans le Nexus non plus parce que j'ai l'impression qu'on va vraiment, vraiment jamais là quoi. Les quickscopes ça sert à rien. Ok. On est où là? Putain, what? Ok. Mais le truc c'est que ces runes là, c'est les ruines de crépuscule. La maison du salut cherche à sécuriser la zone grâce aux ténèbres et à les récupérer tous les débris importants. Pour éviter à déjouer les plans des déchus. Ok. Mais où est-ce qu'on y va en fait? Là vraiment il n'y a rien du tout quoi. Est-ce que c'est en haut? C'est à la surface qu'il faut aller? J'ai pas vu d'endroit où est-ce qu'on pouvait y aller à la surface. Bref. Le mystère reste entier. Bon, c'est pas comme si on allait trouver un truc là quoi. Il n'y a jamais rien eu ici. Par des bruits bizarres. Fuck. Deux fois quand même. Putain. Oh ce moteur. Mais... Bref. Ouais bon le moteur physique, Destiny 3 les gars, pensez-y quand même.
que là, là, tout ça, là, tout cet endroit-là, ouais, on est en train complètement de le passer, quoi. C'est-à-dire que y a rien du tout. À la limite, s'il y avait un endroit où on pourrait grimper là, mais non, il y a rien. Ouais, c'est pas ici. What? Ok. J'avais pas vu que c'était plus une pente longue, lente. Oh, y a rien là. Ouais, bon, on verra. On verra plus tard. Ok, bon, bah maintenant il nous reste plus qu'à aller à l'autre endroit. J'ai un peu la flemme, je vais pas vous le cacher. J'ai un peu la flemme de faire tout le tour. Il nous reste à aller à un endroit. De toute façon, on est à une heure, on s'en fout un peu là, je vais pas vous le cacher. Autant faire quelques activités. À moins que. Ah! Peut-être que je le fais en deux épisodes. Bah non, c'est une activité qui vient du raid, donc autant faire tout ça. Ok, d'accord. Il m'a fait peur, j'ai cru que c'était Xur. J'étais en mode what? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est la première fois que je vois un mec aller plus vite que moi. Sur un passereau. Depuis que je suis à 160 de vitesse. Ça veut dire qu'il existe peut-être un passereau à 170. Après, là, il avait plus l'air de trop me distancer. De toute façon, c'est parce qu'il y a une accélération. Paf! Ouais, voilà, c'est ça. L'accélération initiale est assez forte. Ah, cette toundra. C'est vrai que c'est beau quand même, hein, quand il n'y a pas de météo de merde, franchement. La météo est intéressante, mais bon, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus poussé. Et bah forcément, ouais. Du coup, ça te fait qu'encore plus admirer la version clean, quoi. Tac. De toute façon, il y avait trop d'eau sur Titan. Pour qu'on puisse se dire, ouais, c'est intéressant. Alors, donc, cette zone de raid. Putain, mais c'est si beau! Mais regardez-moi ça! Regardez-moi cet endroit, quoi. Et on peut même pas y aller, hein. Imaginez la puissance que ce serait si on pouvait y aller. Putain, mais ça, on est dans le film 2012, là, vraiment. Régénération stasique. Bah, let's go. Alors, c'est là. Est-ce qu'on est dans la zone? On est pile dessus. On pourrait pas être plus dessus. Ok. Donc, événement public, patrouille, c'est ça? Ok, c'est ça. Événement public et patrouille, ok. Eh bah, écoutez. Y a une patrouille quelque part. 92? 92 80 putain 12 80 putain de 14 What the fuck mais bon, j'espère qu'ils ont pas des écrans OLED hein. J'espère qu'ils ont pas des écrans OLED parce que sinon là leur ATH il est imprimé sur l'écran hein. Là c'est plus une technologie d'affichage, c'est une technologie d'impression. Putain mais à chaque fois je fais cette erreur. Il y a jamais de. Quoi? Je suis à 1? Je suis à 1. Eh bah écoutez, hein? S'il faut buter des gens. Mais pas que là, du coup, je suis à. Toujours 1. Ok, merci. Je voulais être sûr. Mais ils sont en train de siphonner la région, là. C'est la 46ème fois qu'ils sont en train de supprimer toutes les ressources du jeu. Mais 94, les gars! Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, je suis à 19. Mais je suis à 19 avec énormément de trucs derrière, quoi. Je suis saison 19 alors que j'y ai joué plusieurs heures ces derniers jours, quoi. Eux, ils sont à 94. Ils sont là. Il leur reste 6 niveaux, puis ils ont fini le pass, ils peuvent aller se recoucher. Et attendre les 79 prochains jours. Ah putain, incroyable! Ah mais désolé, j'avais pas vu. Putain, pour une fois qu'on n'a pas une patrouille qui se résume à exterminer des gens. Peut-être qu'ils l'ont implanté avec le raid. Hein. Incroyable. Bon, c'est chiant que ce soit dans le même épisode que celui où j'ai dit qu'il y avait que ça, mais... Écoutez, j'aime bien quand j'ai tort de cette manière-là, hein, sur ce genre de truc. Oh putain. Bon bah voilà. Tu as combien là de 16?
Ah bah tiens, let's go. Ah bah ça y est, le temps commence à... Ah. Oh merde. Oh là 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 là. Et on retombe dans les travers. On retombe dans les travers des patrouilles. C'est la patte patrouille. Et oui, j'utilise le coup. Je pourrais juste tirer une fois supplémentaire, mais en fait, je veux préserver ces magnifiques munitions. Mais seulement celle-là. Allez, viens là. Voilà. Voilà. Et merde, et merde, et putain, là. Et ta ta ta. What the fuck? C'est quoi cette chose qui est au-dessus de sa tête? Chef des squads techno. Mais il est immunisé? Excusez-moi monsieur, mais vous êtes chiant? Vous êtes immunisé? Vous avez des anticorps par milliers? Non. Bon bah c'est un mec de la maison du salut en tout cas, ça c'est sûr. Non, non. Mais arrête d'être immunisé, t'es chiant. Ah non, il est pas immunisé. Je te le débrouille. Non, excuse-moi. Tiens, tiens, et tiens, et tiens. Et... Oh, il explose sur ses propres... Abattage de boss déçu de la Stasis. Bah, let's go. Et j'augmente le scanner. Décide un transpondant de Bretech actif. Et je l'ai plus. Ok. Scanner secteur du renouveau de Riss. Ok. J'ai un scanner. Let's go. Pas quoi il sert, mais. J'ai un scanner, les gars. Let's fucking go. Donc, c'était bien ça. En fait, du coup, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, en fait. Ok. Le transpondeur, il s'est utilisé tout seul, quoi, en gros. C'est quoi ça? Ça doit être. Un débris de collectionneur. De collecteur. Collecteur, c'est mieux que collectionneur, quand même. Voilà. Voilà. Ok. Patrouille terminée. Fin de la patte patrouille. Ah mais ça c'est en jeu là. Bah l'attaque. Allez. Fuck. Quoi? Ok. Et du coup j'ai des. J'ai un décodeur sur ma gueule. J'avais pas vu. Ah mais ta gueule, ferme là. On est où là? Alors, j'ai un décodeur sur ma gueule. Et je sais pas à quoi il sert. Là, par là. Là, ok. Bien ce qui me semblait. J'avais bien entendu au bon endroit. J'ai pas mis mon casque à l'envers. Et... C'est parti. Oh! Bon, j'ai déjà. Mais ceci est... Ça veut dire que du coup il doit être vachement puissant du coup. On regarde deux secondes. 108. Mob 13, bah écoutez, allons-y. C'est moi qui régale. Regardez-moi ça. Le home de Felwinter. Oh, hâte de lui mettre le même chroma dégueulasse que tous les autres. Voilà. Ça c'est un revêtement bien dégueulasse. J'ai même pas vu ce qu'il faisait. On verra plus tard. Faut que je fasse l'événement public. Putain, bah let's go, une arme exotique que tu drops comme ça. Pour aucune raison, bah let's go, j'ai envie de dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut le suivre en fait. C'est lui? Ah, bonjour? Ah merde! Ah merde! Attendez! Oh putain, il y a trop de trucs à faire. Ok. J'en ai plus. Bah fuck. Bah j'irai après. Mais ils sont combien? Il y en a un autre là? Eh bah dis donc. Ah putain, mais c'est pas au bon endroit. Au bon endroit, vite. Oh putain. Ah, mais c'est peut-être le scanner qui me fait les découvrir. Faudra que je vois. Non, mais ce que vous voyez là-bas, les éclats entre. Il y en a encore! Il y en a encore un! Hein. Mais qu'est-ce que. Ils sont trois!
What the fuck? Ok. Événement épique. Et il me faut absolument des munitions, les munitions puissantes. Ok. J'en ai pas. Ok. Il me faut absolument des munitions puissantes. Ok. Non, y a rien. Ok. 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 Putain, mais y a trop de lumière partout. Je vois pas les munitions. Ah oui, il s'est fait one shot. Forcément, je suis avec monsieur 45 et monsieur 70. Ça y est, les gens. Les gens grind, les gens sont des streamers à temps plein. Mais putain! Ah ouais, ça se trouve, il faut juste mettre des capacités statiques dessus. Hein, et ça se trouve, hein, super, ça marche. J'espère. Putain, il y a vraiment zéro munition puissante, quoi! Et on s'emmerde! Let's go! Un 5. Ok. Parfait. En vrai, je devrais faire des coups de grâce. Alors, tac. Fuck. Mais ils meurent tous! J'ai pas le temps de faire des coups de grâce. Là, je crois que j'ai un mode pour les coups de grâce, mais ça. J'ai pas trop le temps d'en faire, quoi. Pas le temps. Ok, parfait, on a gagné. Parfait. Bon, ce sera amplement suffisant, je crois, 5 munitions, mais... Je crois pas que je me trompe, quoi. Ok. Donc... Il y en a un là. Ouais, il y en a un là, déjà. Alors. Alors, pas se louper, pas se louper, pas se louper. Ah! Bah, il se passe rien. Ils ont essayé de passer quelque chose, hein, mais il se passe pas grand chose. Et oh fuck, c'est bon. Fuck. Ah bah tiens, bonjour. Ouais, donc là il est. En fait, je crois que c'est les. C'est les capacités des ténèbres qui. C'est les capacités stasiques en fait qui. Ouais. Il. À moins que. En fait, je sais pas s'il perd des. Attends. Oh, mais aussi bon. Si là c'est l'Arbing. Ah ça y est. Mais arrête de te casser. Non, viens là. Viens là, viens là, viens là. Fuck. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ça l'a pas marié. Ça l'a canalisé. Let's go. Je sais pas ce que je vais faire. Putain, j'ai même pas one shot quoi. Ah, n'est-ce pas un transpondeur Braytech actif. Fuck. Transpondeur Braytech. Donc c'est pas un transpondeur Braytech que j'ai. Alors attendez, parce que ça y est, je l'ai eu ce niveau. 1911, let's go. Attendez, excusez-moi deux secondes. Ok, donc il s'est enlevé. Bah écoutez, oui, c'est dégueulasse, mais bon. J'ai pas mieux, quoi. J'ai pas envie de dépenser trop d'argent non plus. À la limite, ça c'est intéressant, ça.
Ouais, c'est mieux. Bon. Et ça fait quoi ça, l'autre? Ça. Les frags de mêlée complètes m'ont chargé, créé une explosion d'énergie qui a fallu essayer. D'accord. Ma doctrine fait déjà ça, mais ok. On a quasiment fini, je vais terminer cette chose. Une vieille amie a décrété qu'Europe était son terrain de chasse. Trouvez-la. Un ennemi. Oh! Épique! Épique! Ennemi dans la cité déchue, épique. Let's go! Mais non, mais le 45 il est déjà en train de les wipe là! Ah non, ça va, c'est bon. C'est pas là, oui, c'est pas là-bas. C'est par là. Parfait. Là, j'ai un scanner et je sais pas à quoi il sert. Mais normalement, les éclairs anthropiques, normalement, comme ce qu'il y avait, normalement, ça devait se détruire dès que je mettais mon lance-grenade dessus. Apparemment, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, c'est intéressant de voir. Secteur du renouveau de RIS. Ok. Donc là, j'ai un scanner, là. Peut-être que là, si je trouve un truc de Braytech bizarre, là... Putain, mais il y a encore des... Il en reste un, fuck, il s'est barré. Putain, mais ils sont 12 000, ils sont 12 millions. Hop. Bon là du coup j'ai décidé d'utiliser mon arc, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise. Il est là. Petit bâtard. Ils sont où en fait? Hop. Est-ce que je peux réussir à y aller d'ici? Ah oh, fuck. J'ai un peu la flemme d'aller... Bon bref, écoutez, on va y aller. On va y aller par l'endroit voulu par les développeurs du jeu. Par contre, j'ai pas dit que j'allais tuer les ennemis. Salut. Allez hop, le body block qui ne marchera pas sur moi. Je suis trop rapide. Je suis bien trop véloce. Je pirate. Ok. J'en ai plus qu'un. J'en ai plus que deux du coup. Ok, d'accord, intéressant. Ah! Je pensais que c'était là où il y avait tout le monde. Hein? Ah! Ok. C'est bon? Non. Ah! Bonjour. Allez. Oh fuck. Voilà. Et un. Ça y est. Nouvelle étape, let's go. Allez, fait pendant le succès de votre découverte à l'exo inconnu. Ok, parfait. Alors moi par contre ce que je vais faire, vu qu'il me reste encore des scanners, si vous voulez, je vais essayer d'aller voir un petit peu s'il y a d'autres trucs cachés dans ces environs là. On a combien? 1h19. Écoutez, autant faire une vidéo de 2h. Hein. Je sais qu'on est un peu sur une vibe de type si on est à 2 autant faire 3 et si on est à 3 autant faire 4, voilà. Une sorte de cercle vicieux quoi, mais. Euh,
j'ai envie de dire pourquoi pas quoi. Qu'est-ce qui m'en empêche? Techniquement absolument rien. Si ce n'est mon disque dur. Mais mon disque dur je crois qu'il va bien. J'ai pas regardé il y a longtemps, depuis longtemps, mais normalement il devrait être ok. Par contre j'ai pas de. Ouais, j'ai rien de d'écrit. Ce qui me fait me poser des questions sur s'il y en a vraiment plus. Ou si on n'a pas qu'un seul en fait. Oh, je pense pas non plus, mais. Il y a toujours rien ici, on est d'accord. Il y a jamais rien ici. Et je voudrais savoir si ça avait pas changé, quoi. Mine de rien, on sait jamais. Avec le raid, tout ça. Non, d'accord, très bien, merci. Merci, hein. Merci d'être passé, au revoir d'être venu. Ok, ok. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, en fait, j'ai la flemme. Allez. J'ai changé d'avis, cet endroit m'énerve. Okay, quand je trouve pas ce que je cherche, cet endroit m'énerve. Allez. Exo inconnu. Je savais que l'habitant du salut resposterait, mais pas avec une telle violence. Elle combat avec l'aide des ténèbres et elle dispose d'une force impressionnante. Mais nous ne sommes plus forts qu'elle, les débris de l'épave continuent de tomber et la maison du soleil ne les laissera pas finir, nous non plus. Un pistolet Albedo élevé. Et on a terminé la quête Orage de Fer. Ok, très bien. Mais il nous reste plus qu'à faire le raid, quoi, j'ai envie de dire. Ok, et encore faire ça, là. Et ça. Crypte de pierre, Ok. Ça, c'est bon. Ok. Bon, bah, on a... là, il n'y a pas d'autres trucs qu'on n'a pas déjà fait. Ouais, ok. Eh ben, écoutez, mesdames et messieurs, je crois que... je crois qu'on a terminé, là. J'ai pas envie de faire autre chose, nécessairement, là. Ouais, j'ai pas envie de faire nécessairement autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, tout ça, les abonnements. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Oscur. Salut!